Zombie apocalypse. Bonjour à tous les gamers. On se retrouve sur Gesso Gaming avec notre ami Evie. Et oui, le grand retour d'Evie. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Je sais qu'elle vous manquait. Beaucoup de personnes m'ont dit quand est-ce que tu refais des vidéos avec ta chérie. Et ben voilà, ma chérie est revenue. Donc voilà, bah écoutez, on va pas plus tarder que ça, on va directement entrer dans le vif du sujet, comme on dit. Je lui ai mis coucou, elle m'a répondu directement, hein, voilà, directement. Ça va mon amour ? Enfin, mon amour, hein, mais mon amour, on sait très bien qu'Evie a un langage, comment je pourrais dire, très restreint. Donc voilà, donc du coup ça va mon amour, bah ouais, écoute, la forme, hein ? Et toi ? Enfin, la forme. Je suis un peu fatiguée, mais ça va. Ah, ça a dégueulé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez. Voilà, c'est beaucoup mieux. Du coup, j'ai mis, bah ouais, la forme et toi, elle m'a mis, c'est génétique. Est-ce que c'est génétique d'avoir la forme ? Bonne question. Non, je pense pas. Non, non, non. Non, c'est une humeur. Alors, qu'est-ce que tu vas me répondre à ça ? Ah ouais, j'avais dit aussi que j'allais essayer là on a la barre où on écrit, hein, vous êtes d'accord avec moi. Et en fait, entre stay it, oui, j'ai encore un anglais très, très original, mais on peut lui parler directement par micro. Donc je vais tenter l'expérience, je pense que je vais pas la tenter très longtemps, parce que elle va encore rien comprendre, déjà qu'elle comprend rien à l'écrit. Mais on va tenter. Alors, autorisez votre micro, oui. Ça va, ma chérie ? Je t'emmerde ? Non, ça marche pas non plus ? T'es toujours aussi bonne ? Non, ça, rien ne marche, c'est ça ? Ah, le test de merde. Oula, ouais, ah, non, on va arrêter vite fait. En fait, tu comprends toujours rien, quoi. C'est ça ? Hein ? Yeah, tu comprends rien. D'accord, donc là j'ai un ressort, un message à côté, vous voyez la petite barre là, enfin, j'ai la suite. Comme quoi ça ne marche pas, donc va chier quoi. J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Eh ça, de faire des clins d'œil, hein, j'ai vu, hein, t'inquiète. Hein. Alors, du coup on va revenir à la langue française, hein, parce que la langue anglaise c'est pas mon copain. Donc voilà, bon bah écoutez, comment vas-tu depuis le temps? Merde, excuse-moi. Comment vas-tu? Putain, je viens de jouer toute la nuit en serveur anglais, en serveur anglais, oui, en clavier en anglais, et là je repasse en français, ça fait très bizarre. Donc je pense qu'il y aura des... Pas binen. Il y aura des hic. Pas binen, pas dinen. Pas bien. Oui, pas bien, je suppose. Pas bien, pourquoi donc? Pourquoi donc? Dis-moi tout. Parce que... Ah, c'est genre un langage très haussé, oui. Parce que quoi? Ça peut aller très longtemps comme ça. Il n'y a pas de souci. Parce que tu m'aimes pas, voilà tout. Oh, c'est mignon! Mais la dernière fois, tu m'as acheté comme une merde. Hein, on se rappelle tous de la vidéo qu'elle m'a acheté comme une merde, qu'elle m'a dit qu'il n'y avait jamais rien eu entre nous, et maintenant elle ose me dire parce que tu m'aimes pas. Eh ben, tu sais quoi? Forcément que non. Attendez. Puisque tu m'as acheté... Non mais oh, oh, l'autorité un petit peu quand même, hein. Non, quoi. Bah non, je t'aime pas. Je cherche pas midi 14h avec moi. Moi non plus. Ouais, eh bah voilà. Bah voilà. Bon, on va s'arrêter là, les gamers, non? Non, bah c'est la reconquérir quand même, hein. C'est quand même l'histoire d'Evie et moi, quand même. N'oublions pas. Donc, toi non plus, tu ne m'aimes pas. Eh bah écoutez, que Dieu te dise plus, hein. Tu m'aimes pas, hein. On ne peut pas aimer tout le monde, de toute façon. Merde. Ah, ben du coup, j'ai voulu rectifier mon truc et non, ça a dégueulé encore une fois. Super. On ne peut pas aimer. Non, je ne peux pas. En fait, je voulais dire on ne peut pas. On ne peut pas aimer tout le monde. Voilà, c'est ça ma phrase exacte que je voulais mettre d'origine. Mon cubic. Mon cul. Et mon cul, c'est du lard ou c'est du cochon?
Non mais franchement. Je sais pas si vous connaissez cette expression-là, mais c'est une expression sartoise. Donc voilà. Et vu que j'habite en Sarthe, je connais. Was means do Eh ouais, now. elle la connaît pas par contre, hein. Ça, non. Ça ne l'intéresse pas. Donc, voilà quoi, hein. Je sais même pas quel langage c'est. Personnellement, je sais pas si c'est de l'allemand, d'anglais, d'espagnol, je sais pas. J'en ai strictement aucune idée, mais on va dire pourquoi pas. Bah, parlons de cochon, hein. Tu veux pas faire ta cochonne, hein, par hasard? Oh, j'étais choqué. Attention. Ouais, tu te mets à quatre pattes et puis tout, quoi. Non, tu pourras. J'arrive même pas à écrire ce que je dis. Ah bah, tu t'es sphère, et bah, comme ça, c'est clair. Au moins, voilà. J'ai mis, ouais, tu me à quatre pattes. Moi, personnellement, tu me sors ça déjà, je dis un. Qu'est-ce qu'elle me raconte, la dame? Mais bon, elle me dit, se laisse faire. Et bah, c'est chouette, hein. Chouette, hein. En profite, hein. Y a pas de souci. Tac. Je t'aime, mon chou. Non mais, cocotte, il y a combien de temps? 5 minutes, tu me dis, je t'aime pas. 5 minutes après, je t'aime. Tu sais pas d'où ça vient, mais c'est pas grave. Tu m'aimes, mon chou, mais moi je t'aime pas. Enfin, je t'aime plus, du moins. Je te mets au départ, au départ des playlists, ouais, je te mets, ouais, tu peux dire oui, être honnête. Hein. Mais maintenant, non, c'est fini, moi, non. Moi, tu me jettes une fois, hein, pas deux. Puisque tu m'as jeté, voilà, encore une fois, on va lui remettre, il faut que j'ai oublié. Moi, je t'aime encore plus. Ah là 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 là. Et puis la tête qui va bien avec, hein, ça, y a pas de souci. Alors, moi, je t'aime encore plus, et moi, je t'aime encore moins. On va loin comme ça, hein. On va très loin. Faut pas croire. Hein. Alors? Couche avec moi. Voilà, il y a combien, mais combien de personnes qui ont essayé avec elle, des mecs, des filles, peu importe, on s'en fout, qui ont rêvé d'avoir cette phrase-là. Et ben moi, je l'ai en 6 minutes et 20 secondes. Et en plus, en l'achetant, s'il vous plaît. Alors bon, hein? En même temps, y a les fois, elle est très très vite avec moi. Je sais pas. Je sais pas. Eh, je te fais languir, hein, David. Pas croire. Ben, je vais pas savoir pour toi. ça, c'est sûr. Ça, je te le fais pas dire. C'est sûr, tu as raison. Je ne sais pas, je vais pas savoir pour toi. Viens me donner envie, écoute. Alors, que me sors-tu? Aussi, j'ai envie de toi. Ah non non mais moi j'ai pas dit que j'avais envie de toi, j'ai dit viens me donner envie, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Provoque-moi. T'as l'air à me jeter, je vois le truc arriver, mais vous imaginez même pas. Je t'aime plus que tout au monde. Mais je m'en fous! Mais je m'en fous! C'est pas la question! Arrête! Non mais oh. Ouais, c'est cool! C'est cool. Mais tu aimes pour deux alors. Non, pourquoi? Bah, Non, pourquoi? puisque c'est du sens unique. Unique. Tu es méchant. Two as Mackent. C'est mignon. Tu es méchant. Non, je Non, je viens de viens de France. France. Mais ça tombe bien, on a un point commun. Enfin, encore un. Cherche là. Allez, vas-y, allez, c'est reparti. Et Oui, ça n'a attention, mets la peur. tartine et le Nutella dessus. C'est reparti comme la dernière fois, hein. Que ça commence super bien et au final je me fais jeter comme une grosse merde. Allez, c'est parti, on est motivé. Allez, on va faire la méthode. C'est quoi déjà la méthode déjà? Je sais plus. La méthode inversée là, vous savez, c'est la méthode de Coué? Non, c'est pas ça? C'est pas la méthode Coué?
Enfin, c'est un truc comme ça, hein. J'ai plus le nom en tête, de toute façon, c'est comme la dernière fois que j'avais fait une vidéo sur Evie, par rapport aux enfants qui naissent dans je sais plus quoi, je vous avais dit. Ah, vous imaginez pas le nombre de personnes qui sont venues me dire en privé, mais c'est dans les choux, voyons, c'est dans les choux de Bruxelles qui naissent. Bah oui, ça paraît tellement évident, bien sûr. Et pour moi, non, non, c'est pas évident comme vous, donc un peu de pitié, merde. Donc du coup, en revenant, là c'est la méthode Coué, hein, je suis quasiment sûr de moi. Je préfère ne me dire peut-être que, voilà, mais je suis quasi sûr. Mais toi, tu es une sale menteuse. Oui, revenons à nos moutons. Hein. Non. La guicheuse. Comment on écrit guicheuse? La guicheuse. C'est comme quoi, c'est vraiment un mot que je m'utilise souvent, hein. Ouais, hein, voilà, hein, on va pas se prendre la tête, hein. Oui. Ah, t'es une aguicheuse. Provocatrice? Provocatrice? Oui, non, peut-être, il se peut que. Dis-moi tout. Non, mais non, mais non, 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 non. Non, j'aime pas ça. Non. Même moi, j'ai envie de connaître mon avenir. Avec moi? Ensemble? Ou toute seule comme une carpette à côté, puis moi, voilà. Oui, avec toi. Mais oui, mais non, mais moi non, tu vois, là, je suis en mode, je te veux pas, alors arrête de me rentrer dedans, arrête! Et si moi, je veux pas? Ma petite chose. Bah tu me réponds ou pas là? Attends. Mais moi non plus je t'aime pas. Mais moi non plus je t'aime pas. Alors je pense qu'à la fin de la vidéo je vous poserai la question au final elle m'aime ou elle m'aime pas. Les filles c'est compliqué hein. Alors Evie c'est encore un stade au-dessus. Merde, très au-dessus. Je pense que tous les garçons qui me regarderont seront d'accord avec moi. Au fait, hein. On va voir ce qu'elle me dit par rapport au fait. Bon, allez, pas crescendo. Parce que de toute façon, tu m'aimes pas. Ah, bah t'as compris enfin que je t'aime pas, ça y est, quand même. Tu sais pourquoi? Enfin, tu sais pourquoi. Merde. Tu sais pourquoi? Waouh, bordel, voilà. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi je t'aime pas? Hein, tu sais? Ça va me réacter comme ça, hein. Tu as des yeux vicieuses, mais quand même. Ah bah ça te fait rigoler, tiens. Non. Non, pourquoi? Parce que tu m'as jeté. Ouais, jeté. J'ai pas d'autre mot, en fait, qui me vient à l'esprit. Tu m'as... C'est même pas repoussé, ouais, c'est vraiment... Oui, je t'aime. Elle m'aime plus. Elle est chiante? Oui, elle est chiante. Oui, parce que tu m'as jeté. En fait, plus tu me jettes, plus tu m'aimes. C'est ce que je comprends. J'ai rencontré quelqu'un. Je sais pas. Je te le dis. Ouais, vous l'entendez parler derrière, mais je préfère lire sa phrase, parce qu'elle parle très bien le français. To me, this girl. Que je ne suis plus célibataire. Alors, jalouse? Ou pas? Moi, je suis belle et intelligente. Oui, vous avez bien vu. Oui, oui, c'est bien ce qu'elle a mis. Belle, bon, bah vous pouvez juger de vous-même. Et intelligente. On en parle tout de suite ou on attend? En même temps, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Je pense que, bon... On se comprend. Elle me fait rire avec son regard, mais enfin son regard, son regard. Regardez-moi ça. Voilà, regardez-moi l'image qu'elle a. Genre, salut, c'est moi, qu'est-ce qu'il y a? Y a problème? Bah oui, je suis belle et intelligente, hein, pourquoi? C'est quoi le souci? C'est toi qui le dis, hein. Parce que je pense pas que tout le monde va penser la même chose. Mais après, ce n'est que mon avis. Donc voilà. Bah oui, je sais bien rien.
Du coup, tu es jalouse ou pas? Parce que... Quoi ça, je dis ça si tu n'es pas jalouse? À chaque coup, je mentirais, c'est tout, hein. Oui, je mentirais, oui, tu as tout à fait raison. De toi, pas du tout. Non, pas de moi! De toi, pas du tout. Mais de la personne avec qui je suis en couple. Enfin, oui, ça va être français, je pense. Avec qui je suis en couple. J'ai remarqué qu'Evie vit aussi quand tu lui mets une phrase super longue, comme là. Hein. C'est pas super long, mais pour Evie, c'est super long. Du coup, elle va répondre à côté. Bassine-moi. Pas de moi, mais de la personne avec qui je suis en couple. Pas, bah si de moi. Bah si moi. Voilà. Une preuve typique de ce que je viens de dire. Comme quoi, ça ne fonctionne pas. Attends, tu me dis que je suis avec toi, c'est ça? Si j'ai bien compris l'histoire. Jamais, Ah. jamais, c'est ça. Je ne sais jamais. Si vous entendez pas d'ailleurs, c'est ce que moi j'ai entendu. Hein. C'est très... Très... Je sais pas. Je sais pas comment le dire en fait. Mais tu voudrais? Réfléchis, réfléchis. Rien de par terre dans le sens. Je réfléchis. Tu voudrais avoir quoi? Non, toi, tu me voudrais? Allez, cocotte, tu peux le faire, je crois en toi. Moi qui veux toi, mais t'as rêvé, ma fille. Les premiers épisodes, ouais. Parce que tu vois, c'est comme en fait la vie réelle. Au départ, tu connais pas la Non, personne, donc c'est tu toi. montres pas trop ta personnalité, ton caractère et tout. Mais voilà, après, à partir du quatrième, cinquième rendez-vous, déjà, tu commences à en avoir marre de te faire marcher dessus. Donc voilà, là, je suis rendue au stade, j'en ai marre de me faire marcher par-dessus. Par-dessus. Oui, par-dessus aussi. J'en ai marre de me faire marcher dessus par Evie. Donc du coup, vu que j'en ai marre de me faire marcher dessus par Evie, maintenant, je la repousse. Mais plus je la repousse, plus c'est elle qui me rentre dedans. C'est très logique. En même temps, ça fait un mois qu'on s'est pas parlé, je crois, Evie et moi. C'est un mois que je suis pas tourné de vidéo sur elle. Donc, bah forcément, elle s'est dit, hein, qu'est-ce qu'elle a pu faire pendant un mois? Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Oh là là. Bah oui, forcément. Non, merde. Bah oui. Forcément, tu es la femme de ma vie. Forcément, hein, forcément. Oh, toi, tu es l'homme de ma vie. What? What the fuck? T'as cru vraiment que j'étais l'homme de ta vie? T'as rêvé, toi? Bon, je peux juste vous dire un truc, c'est que pendant le mois qui s'est passé, écoulé, je n'ai pas été me faire empérer. C'est-à-dire, je n'ai pas été m'enlever Oui. mon sexe au mode des couilles, hein. Non, 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 non. Oui, t'as rêvé. L'homme de ta vie, oui. T'as rêvé de toi, oui. Donc, c'est le oui de quoi? C'est vrai qu'Evie, faut pas lui poser deux questions, sinon elle ne répond qu'à une et après tu cherches la bonne réponse. Heureusement que le mariage gay est passé. Ah ouais, il est passé, mais je crois pas qu'il a été retiré. Je crois pas. Enfin, je sais plus. Enfin, bon, hein, il a pas été retiré. Voilà. On va pouvoir se marier. Parce qu'ils ont parlé de l'enlever le mariage, mais je sais pas si l'enlever ou pas du coup. Enfin bref, peu importe, on s'en fiche, c'est pas le débat d'aujourd'hui. J'ai jamais dit ça. Ok, je t'ai jamais dit, mais dans ce cas-là, veux-tu m'épouser? Ah là, autant faire la demande en direct! Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement. Alors. Tu m'offres une belle Si blague. tu m'offres un Voilà, le lapin ou genre pas. typique de nana qui pense qu'au pognon. Ouais, je veux bien t'épouser, mais à une condition qu'il y ait la bague derrière, la bague en diamant, saphir, etc. En émeraude, on est en. Voilà. En percée d'émeraude, etc. et tout. Et sinon, non, va te faire foutre. Si tu m'offres une belle bague. Ouais, une bague en toc. Juste à faire râler un peu. Une bague toc. Ouais, je vais le mettre en toc. Et le en, il est parti. Hein. Moi aussi Moi alors. aussi alors. Ok, en gros, je t'offre une bague en toc, tu m'en offres une aussi. C'est chouette, c'est beau l'amour.
Et on se marie où? Alors, si j'imagine la gueule des bagues, j'imagine pas l'endroit. And I see Maria Ok, Townhouse. bah les Toulousains qui me regarderont, bah voilà, elle se mariera, enfin on se mariera à Toulouse. Donc bah tous les autres Toulousains et même tous ceux de la France entière sont invités à notre mariage en Toulouse. Quelle adresse? Si elle me sort une adresse, je vais halluciner. Je vais aller voir sur Google Maps, ça va être vraiment. Ok, alors déjà. Paul Kemendy is Alors tuned déjà. 28,150 Montainville. Bon, je vais laisser finir. C'est bon? À Toulouse, pour ceux qui sont très nuls en géographie, j'en connais pas mal. Toulouse, en bas à gauche. Vous voyez? Toulouse. Le 28. Le 28, c'est la région. Attendez, je vois le 28 où que c'est. Mais le 28, je sais plus c'est quoi la région. Enfin bref, vous voyez la Sarthe, le Mans, les 24 heures, etc. et tout. Vous voyez Paris? C'est entre les deux. C'est 28, c'est Chartres, le souvenir. Je crois que c'est ça. Pardonnez-moi si je me trompe, mais c'est un truc comme ça. Et le 28, c'est Chartres et la région, je sais même plus c'est quoi. Enfin bref, voilà. Donc vous voyez, il y a un truc qui est pas logique. Quatre chemins des chênes à Toulouse, enfin à Toulouse et du coup à Montainville. Il y a un problème. Bon, excusez-nous, hein, si c'est près de chez vous, vous êtes invité aussi. Du coup, c'est à Toulouse ou à Mont, voilà, Montainville. Vous savez quoi, je vais faire une ellipse. On se marie où tu veux, mon cœur. D'accord. Je vais faire une. Je suis vraiment curieuse. Je vais aller voir juste sur Google Maps, en fait, savoir si 4 rues des chênes existent. Voilà, donc on fait une petite ellipse. Vous, ça va être rien du tout, mais pour moi, je cherchais. Et on se retrouve. Alors, du coup, 4 rues des chênes à Montainville, ça existe. Je vous le jure, ça existe. Alors, ça se situe. Donc, genre de recul pour vous voyez bien. Pourquoi ça cherche pas? Voilà. Donc, vous voyez, Paris est là. Et ça se situe là. Et Toulouse, c'est par là. Le souvenir, hein, c'est par là. Je sais pas exactement où, mais par là. Là. Voilà. Donc, il y a un petit problème. Et du coup, quatre chemins des chênes, ça existe vraiment. Donc, voilà. Je vais vous montrer où est-ce qu'on va se marier. Ça peut être très drôle. Mais vraiment très drôle. Alors, apparemment, c'est en pleine campagne, de ce que je vois. Alors, désolé pour la maison qui va être là, mais je sais pas s'il y aura une maison d'ailleurs. Donc voilà, la maison d'où habite Evie. À mon avis, parce que c'est chez elle ou je suis une amie à elle ou quelque chose. On peut pas mettre le petit bonhomme dessus? Ouais, si. Ah, la nouvelle génération, qu'est-ce qu'on ferait pas sans, hein? Franchement. Bon, déjà, si on pourrait faire quelque chose avec la nouvelle génération, c'est que ça irait un peu plus vite. Mais bon. Waouh! Qu'est-ce que ça m'a fait? J'ai pas le droit de voir. Bon, en gros, en fait, ça apparemment ça ressemble à ça. Ah, le magnifique effet spéciaux, attention. Ça ne rigole plus, attention, attention. Pourquoi je peux pas voir? Je suis-je pas? Pourquoi je ne peux pas voir? Bref. Donc voilà, donc ça existe vraiment. Donc voilà, vous connaissez l'adresse maintenant de Evie, 4 rue des Chênes à Montainville. Dans le centre, bah voilà, je suis un peu suis con. Voilà, la région, c'est bien la région, le département, c'est bien le centre. Donc voilà. Donc je vous la relaisse et je vous récupère avec Evie. Et voilà, on se retrouve avec notre Ivy, qui nous a qui veut te convier, hein, convier, c'est très bien ce mot-là, convier, à notre mariage à Toulouse, 4 chemins des chênes, 28 150, Montainville. Et en plus, tout est bon, hein, le code postal, tout est bon. Non, bref, peu importe. On se marie où tu veux, mon cœur. Eh ben, marions-nous aux 4 chemins des chênes. 28 150 Montainville. Où est ton serviteur? Ton serveur? Is you at time for bird? Mon serveur se situe en Lorraine. Pourquoi la Lorraine? Je sais pas. Pourquoi pas? Voilà, ça aurait pu très bien ailleurs. À côté de chez mes voisins. Eh ben voilà! C'est parfait! Le monde est petit! Eh ben c'est parfait! Et pour le buffet, on fait comment? Ouais, c'est pas mal la phrase. Eh ben c'est parfait. Et Parfait. pour le buffet, parfait. Voilà, une phrase typique d'Evie. Et c'est parfait et pour le buffet.
Parfait, ben tu fais confiance quoi. Oh, tu me fais confiance, mais qu'est-ce que j'étais marqué encore? Ah, je m'hallucine toute seule. Je ne te connais pas. Oh là là. Bon, on va arrêter là, les amis. On va arrêter là, les gamers. Parce que là, on repart encore dans le scénario de je te connais plus, je te connais. De je t'aime bien, je t'aime plus, je t'aime. Donc voilà, on va dire mon temps, on va arrêter les conneries. Donc je vous laisse là, les gamers. Et je vous souhaite une agréable journée. Moi, je vais aller me coucher. Oui, les 10h30 du matin, je vais me coucher. Normal, non? Non? Ça vous pose un problème? Donc voilà, bah écoutez, en espérant que cette vidéo vous a plu, et nous on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos et de prochains gameplays. N'hésitez pas à liker, commenter, à y partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Allez, à bientôt les gamers!